Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau crash test comme vous avez pu le voir dans le titre. Et non, je n'ai pas fait poser des extensions dans mes cheveux comme tout le monde le fait actuellement. Bien que ça me tente beaucoup, j'ai juste posé des clips un petit peu plus longs que d'habitude. En fait j'ai retrouvé ceux-là, je les avais récupérés en fait quand je suis partie à Los Angeles en janvier il me semble. Chez Bellamy, en fait, ils les avaient passées, sauf que, comme vous pouvez le remarquer, elles sont un tout petit peu trop blondes pour ma couleur de cheveux. Mais bon, bref, aujourd'hui, je me suis tapé un kiff, je me suis dit, vas-y, mets-les, et je voulais savoir ce que ça faisait quand elles étaient toutes dans mes cheveux. Et ben, ça fait beaucoup, sachant que je les ai pas toutes mises, parce que, voilà, c'est trop long et c'est trop lourd pour l'instant, donc il va falloir que je m'habitue, mais bon. Bref, c'est pas du tout le sujet de cette vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau crash test d'un masque que j'ai vu absolument partout, et comme vous le savez, en ce moment, je suis vraiment dans ma folie, je teste des masques qui sortent de nulle part, et même si celui-là commence à être un petit peu vieux, parce que visiblement je l'ai vu sur plein de chaînes YouTube, sur plein de posts Insta, un peu partout, je me suis dit que j'allais quand même le tester parce que je ne le connaissais pas et parce que vous adorez quand je teste des masques un peu chelous, donc je me suis dit il a l'air cool celui-là. Donc il s'agit d'un masque de la marque Casmara qui est comme ceci. Donc en fait il y en a plusieurs couleurs, j'en ai acheté également un rouge, mais en fait il n'est pas du tout pour mon type de peau, donc du coup je vais pas l'utiliser. C'est celui-là, le masque purifiant à l'algue, donc c'est un masque peel-off, masque oxygénant et rafraîchissant, tout type de peau, blablabla. Bla bla. Donc première étape, appliquer le contenu de l'ampoule sur le visage, réserver une petite dose pour l'appliquer après avoir retiré le masque pour terminer le soin. Deuxième étape, verser le contenu des sachets 1 et 2 dans le couvercle, utiliser la spatule pour obtenir un mélange homogène et appliquer sur le visage. Ensuite, étape 3, détendez-vous, après 15 minutes, retirez le masque, ne pas rincer. Donc, j'ai vu en fait que sur la pochette, ainsi que sur Instagram et sur YouTube, etc., les filles faisaient poser le masque même sur les yeux. Donc moi ça me fait un peu flipper parce que j'ai jamais fait ça, sauf je crois dans un institut et donc du coup t'as rien à faire à part te relaxer. Mais moi je suis pas le genre de fille à rester 15 minutes comme ça à rien faire, donc je vais quand même le faire, mais pour moi ça va être très difficile parce que je vais pas pouvoir voir. Donc on va voir un peu à quoi ça ressemble, je vous avoue que j'ai un peu la trouille, mais c'est pas grave, c'est parti. On va faire ça ensemble et on va voir à quoi ça ressemble. Donc à l'intérieur en fait on a deux petits sachets comme ça et une notice d'utilisation. Voilà voilà, très bien. Donc déjà ils disent qu'il faut utiliser ce petit sérum purifiant sur le visage et qu'il faut apparemment en garder un petit peu pour après. C'est ce qu'on va faire, j'en prends un petit peu sur mes mains et je vais venir l'appliquer sur mon visage, sachant que là je n'ai aucun make-up sur mon visage. Ça sent super bon par contre, je sais pas ce qu'il y a dedans mais ça sent super bon. C'est plutôt agréable, j'aime beaucoup l'odeur, c'est très bien. Ok, ça c'est fait. Mais ensuite là on rigole plus, on va mettre ce truc moche parce que j'ai pas du tout envie de pourrir mes cheveux. Ah, c'est vrai que c'est ravissant comme ça. Bon bref, c'est super moche mais c'est pas grave, au moins j'en aurai pas dans ma tignasse. Et comme je sens que c'est un masque qui va être dégueu et qui va en mettre partout, j'ai vraiment pas envie d'en mettre partout. Ok, donc ensuite on a les deux petits sachets et ils disent qu'il faut verser les deux dans le couvercle et mélanger avec la spatule, bah donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc je vais commencer par le premier, qui est en fait, je crois que ça c'est une poudre. En fait c'est une poudre verte. Ils disent qu'il faut tout verser, mais ça me... Oula, ça me semble être une proportion de folie. Donc je comprends pas trop parce que je vais faire qu'un seul masque en fait. Mais ils disent qu'il faut vraiment tout verser, donc voilà. Et ensuite on a la deuxième partie qui est, je pense, la partie du coup peel-off, qui cette fois-ci est hydratée, donc elle est plus liquide. C'est même carrément plus liquide. Oh non, ça sent la menthe, j'aime pas ça. Bon ok, mais vous allez voir, on dirait du slime en fait. Oh là là. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ce masque, ça va être une blague. Ok, maintenant, on va mélanger. C'est très bizarre. Je suis en train de m'en foutre partout. J'ai l'impression que ce masque va être gluant, mais de chez gluant. Ça va être sale. Par contre, il faut mélanger assez longtemps, parce que j'ai l'impression que la poudre prend pas vraiment très bien avec le... Je sais pas moi, le côté gluant de l'autre partie du masque. Bon du coup, comme moi je peux pas, j'ai pas du tout envie de le faire sur les yeux. Je vais vous donner deux raisons. La première, parce que c'est censé être un masque purifiant. Donc j'ai pas envie de mettre ça sur mes yeux. Généralement les masques purifiants, ils assèchent un peu la peau, ils vont venir combattre les impuretés et les imperfections. Donc si je mets ça dans mes yeux, bah j'ai pas très envie, surtout que moi j'ai les yeux extrêmement sensibles. Les personnes qui ont les yeux bleus, et pas que d'ailleurs, mais doivent le savoir. En plus de ça, très honnêtement, si je dois continuer à filmer cette vidéo, moi je suis toute seule, je peux pas... Genre allumer la caméra et compagnie, enfin genre le poser sur mes yeux, rien voir et être à l'aveugle comme ça pour allumer ma caméra, pour tout faire et tout, bref.
C'est pas possible, donc je vais juste le faire sur tout mon visage et on va vraiment le laisser poser 15 minutes. Et on va voir ce que ça donne. Et j'en ai un autre en fait qui est plus régénérant, etc. Hydratant, que je ferai peut-être un jour sur mes yeux du coup. Mais là, pour le coup, je vous avoue que j'ai pas très envie. Bon, une fois qu'on arrive avec cette espèce de texture, très clairement qui est une texture de slime, hein, je vais pas vous mentir, on dirait vraiment du... Bah, du slime quoi, c'est très drôle. Ils disent que justement on est censé le poser sur le visage et ensuite attendre 15 minutes. J'ai pas envie de m'en mettre partout, du coup je vais le poser avec la spatule et on va voir le résultat. Sauf que moi ce qui m'embête, c'est que j'ai vraiment l'impression que dans le sachet, oula, dans le sachet il y en a genre beaucoup trop. Ils disent qu'il faut tout appliquer, mais honnêtement, enfin, moi ça me semble énorme pour un seul masque, ça me semble vraiment beaucoup. Et j'arrive pas à savoir vraiment s'il faut que le masque soit épais ou pas. Ouh, c'est... Je vous cache pas que ce masque est un peu galère, hein. En tout cas, l'application est pas vraiment évidente et comme vous pouvez le voir, peut-être que ça se voit pas vraiment à la caméra, mais en tout cas, sur ma peau, c'est une galère sans nom. Ça ne colle pas à la peau, ça s'homogénise pas du tout. Il y a des endroits où ça... où on voit encore la peau en transparence et d'autres pas. Donc je vais essayer de l'appliquer du mieux que je peux, mais très honnêtement, ça va me prendre 4 heures. Donc je vais mettre cette partie en accéléré et je vous retrouve quand j'aurai terminé. J'ai la sensation qu'on est plutôt pas mal. Je vais peut-être en rajouter un peu ici. Comme peut-être vous avez pu le voir dans l'accéléré, je sais pas si vous voyez, mais il y a 2-3 endroits où en fait le masque est en train de goûter. Donc je vais vous montrer ça de plus près. Alors peut-être que comme ça vous voyez mieux, je ne sais pas. J'ai un peu baissé la luminosité pour vous montrer. Mais en gros, voilà, je sais pas si ça se voit, mais le masque est en train de couler littéralement. Donc j'en ai de partout, vous voyez, ça coule. Sympathique. Bref, du coup, bah écoutez, on va attendre 15 minutes comme ça, on va attendre que ça sèche, et puis ensuite on va tout enlever. Par contre, je confirme que quand on fait pas les yeux, du coup, il en reste encore pas mal, donc ça m'embête un peu de gâcher ce produit-là, et je pense qu'il est pas du tout réutilisable, donc voilà, je vais être obligée de le jeter. Bon, me revoilà donc 15 minutes plus tard, je ne peux plus bouger le visage, en revanche, je trouve ça hyper kiffant de toucher ce masque une fois que ça a séché. En fait, on dirait vraiment de la pâte à modeler, je sais pas comment vous expliquer, mais qui est un peu séché, enfin qui a complètement séché, mais qui est quand même lisse et douce, etc. Donc maintenant, je vais essayer de l'enlever en peel-off, donc je vais voir si ça va fonctionner, mais en tout cas, ça a coulé un peu et ça a directement séché sur ma peau. Arrête, là, si je fais ça, ça se décolle, donc je vais essayer de me rapprocher pour vous montrer. Donc, hop. Ah ! Franchement, ça se décolle assez bien. Il y a des zones ici où ça colle un peu plus, mais c'est normal parce que du coup, il y a moins de produits, donc du coup, l'effet peel-off est un peu moins... marche un peu moins bien. Ok, ici ça a l'air pas mal. Bon, il fait pas mal du tout, hein, celui-là, contrairement à d'autres que j'ai pu tester. Oh mon dieu. C'est très bizarre. J'en ai mis un peu dans mes cheveux. Oh mon dieu, c'est trop flippant. Regardez ça. C'est trop flippant. Ah! C'est un peu le bad quand même, on en a un peu partout. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, juste quand je frotte comme ça, ça a l'air de bien partir. Donc franchement ça va. Je pense que je vais juste les éplucher entre guillemets ou passer un petit coup d'eau juste pour enlever l'excédent. Mais apparemment ils disent qu'il faut pas rien mettre après. Et du coup ils disent par contre qu'il faut remettre le petit produit qu'il y a eu juste avant. Mais c'est marrant, pour le coup c'est un masque peel-off certes, mais c'est pas censé vous enlever les imperfections ou quoi que ce soit. Par contre je peux quand même voir qu'il y a 2-3 endroits à l'intérieur du masque où ça a vraiment complètement moulé mes pores. C'est très étrange. Franchement je dois dire que c'est assez kiffant. Et je suis assez triste en fait de l'avoir fini, parce que du coup enfin j'en referais bien des masques comme ça. Donc voilà, maintenant je peux jeter cette petite chose là qui est très étrange, hein. Hein, je suis d'accord avec vous. Bon du coup pour terminer ce petit traitement, et ben du coup je vais venir appliquer encore une fois ce petit sérum en fait, qui est un... c'est marqué sérum oxygénant dessus, donc c'est ce qu'on va appliquer sur le visage. Et comme je n'en appliquerai plus après puisque j'ai terminé le masque, je vais terminer le produit et l'appliquer partout sur mon visage. Donc pendant que j'applique ça, franchement si je peux vous faire quelques petits retours sur ce masque, alors honnêtement je suis très surprise et très contente, parce que même si le masque d'un premier abord paraît vraiment genre
dégueu, visqueux et tout. En fait, une fois posé sur la peau, moi je l'ai laissé 20 minutes au lieu de 15 minutes. On n'a pas cette sensation de tiraillement, vous savez, où on a absolument envie d'enlever le masque tout de suite parce qu'il nous dérange. Moi j'avais complètement oublié que je l'avais sur le visage et ça donne un côté frais à la peau, mais super longtemps, genre... Bah j'ai eu le côté frais jusqu'à ce que je l'enlève de mon visage et même là encore j'ai vraiment l'impression d'avoir la peau mais super fraîche, super réveillée, super... je sais pas, je la trouve vraiment, franchement, je la trouve super cool là ma peau, enfin bon il y a toujours mes cicatrices hein, c'est pas non plus un masque miracle qui comme ça va vous faire enlever toutes les cicatrices ou quoi que ce soit, mais franchement je trouve que c'est un masque assez kiffant donc j'en ai un autre que j'essaierai une prochaine fois. Peut-être pas forcément en vidéo parce que c'est le même style de masque. Je suis assez surprise et franchement très contente. Donc si jamais encore une fois vous avez des idées de masques que vous avez envie de me voir tester, que vous avez pu voir sur les réseaux sociaux, dites-les moi dans les commentaires, ça peut m'aider à trouver moi des masques que je peux tester pour vous en vidéo. Donc n'oubliez pas de me dire ça en commentaire ou sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas comme d'habitude de liker cette vidéo, je vous le demande, ça prend 30 secondes et moi ça me fait super plaisir. Et de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est toujours pas fait parce qu'on atteint bientôt les 3 millions d'abonnés. Genre on est à ça, c'est un truc de malade, je suis super excitée et en plus j'avais dit que je ferais une énorme surprise pour les 3 millions d'abonnés qui est toujours d'actualité. Maintenant c'est juste un objectif qu'on a fixé entre vous et moi et je suis juste trop excitée et merci encore à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne depuis 6 ans maintenant, ça me fait toujours autant plaisir, c'est toujours un truc de ouf et de voir tous vos petits abonnements qui augmentent tous les jours c'est juste dingue pour moi, c'est l'histoire de se dire que même au bout de 6 ans il y a quand même des gens qui s'abonnent à ma chaîne, il y a quand même des gens qui viennent voir ce que je fais, quand même des gens qui commentent mes vidéos et qui sont toujours là pour moi, mais ça me touche vraiment du fond du cœur. Donc de savoir qu'on est bientôt 3 millions pour moi, c'est juste un truc de malade. Je pense que personne pourrait s'imaginer un jour atteindre ce nombre d'abonnés, 3 millions de personnes, c'est juste monstrueux. Alors je sais qu'il y a des Cypriens et des Norman qui sont presque, enfin Cyprien 10 millions, Norman 9 millions, mais... Pour moi c'est encore plus spécial parce que je sais que c'est vraiment une famille qu'on a et qu'il y a vraiment une communauté derrière qui se soutient et qui parle entre eux depuis des années, ça me fait trop chaud au cœur. Voilà, bah écoutez, je vous fais à toutes et à tous plein de gros bisous, encore une fois likez cette vidéo si ce n'est pas fait, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait et allez voir mes deux dernières vidéos en cliquant juste ici, je vous fais à toutes et à tous plein de très très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.